Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, désolé déjà pour le petit bruit que vous allez sûrement entendre en fond, c'est la machine à laver. Ce matin, je travaille pas, je suis l'après-midi, je commence à 14h jusqu'à 21h20. Ouais, c'est des horaires très logiques, c'est des horaires de merde. Mais bon, on n'est pas là pour parler de mes horaires de merde. On est là pour parler que j'ai niqué mon bureau. Bon, c'est pas grave, ça s'enlèvera. C'est pas la première fois. Alors oui, là, donc désolé pour le bruit du fond, c'est qu'en fait j'ai lancé une machine, il y a le soleil, donc je me dis au moins ce matin je l'étends. Et cet après-midi quand Seb rentre, normalement ce sera pratiquement sec, au pire ça finira dans la maison. Ça finira pas avec la cheminée, parce qu'on n'a pas encore allumé la cheminée, car elle n'a pas encore été ramonée. On s'est pris un peu tard, et apparemment on n'est pas les seuls, hein, parce qu'il était overbooké. Donc, ils vont venir avant la fin du mois. Donc, avant la fin du mois, on pourra enfin allumer la cheminée. Ça va faire tellement du bien. Bon, là, on a la clim, hein. Heureusement, autrement, je pense qu'on serait un peu gelé. Ah, ben, vous allez entendre en plus des petits bruits, parce qu'il y a Julia qui joue en même temps. Je suis désolé. Mais en fait, de base, en tout cas pour moi, ce n'est pas Masra Proum. De base, c'est sa chambre. Et donc voilà, donc madame joue, alors qu'elle pourrait sortir dehors, mais non, tu comprends, il fait un peu froid. Voilà, en plus madame a la diarrhée, enfin, hier elle a eu la diarrhée, donc rien de grave, ça arrive, ça lui arrive des fois. Elle doit manger quelque chose qui ne doit pas lui plaire et madame part en diarrhée. Et là, je regardais ce matin, son caca est beaucoup plus solide. Oui, c'est super intéressant, hein, ça je vous l'ai dit. Et bon, moi c'est mon bébé. Et mon bébé, qu'est-ce qu'elle fait? Putain, donc je pense qu'elle va faire beaucoup de bruit, je suis désolé. Bon, donc ça pour vous dire qu'en fait j'avais envie de faire une petite astuce, entre guillemets, par rapport aux conneries de l'avant. Donc là, c'est bientôt décembre, hein, il faut bientôt commencer, enfin, il faut bientôt surtout finir le calendrier de l'avant. Et moi en fait j'ai acheté des boîtes sur Amazon, je ne sais plus du tout la taille, donc au lieu de faire un montage, je vais le mesurer. Donc elle mesure 12 cm. Sur 8. Franchement, elles sont assez grosses. Donc, soit elles pètent comme ça, hein, comme ça, comme ça. Voilà. Ça, c'est vous qui vous voyez. En fait, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc, dans un carton d'Amazon, j'ai reçu ceci. Donc, ça fait 24 boîtes. Avec ça, il y avait des. Il y a toujours d'ailleurs. Des stickers numéros, je ne serais plus le bon. Il y avait des stickers, franchement, voilà. Donc, si on ne veut pas décorer, on peut juste mettre ça. On met un peu de déco. Alors, attendez, je réfléchis. Je vais essayer de parler français, entre guillemets. Donc, on peut juste mettre à la limite là-dessus le numéro. La personne ouvre. C'est très facile à ouvrir. Allez, je vais vous montrer comment on monte la boîte. Si je m'en souviens bien. Alors, il n'y a pas de notice, hein, mais quand on regarde les photos sur Amazon, il y a la notice en photo. Bon, alors moi, je fais un peu mes plis, vite fait, même si franchement, ils sont très, très bien marqués, hein. Voilà. Alors, attends, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Oui, je m'en souviens. Donc, c'est comme ça. Comme ça. Comme ça. Et en fait, j'arriverai pas alors que j'ai réussi tout à l'heure, tu vas voir. Voilà. On fait passer à l'intérieur. Là, ça y est. Et on pousse pour que tout rentre et ça ferme la boîte. De toute façon, franchement, il y a la photo. Voilà. Et de deux. Et de deux, pardon. Alors, ça coûte. Je suis allé voir sur l'application Amazon. À l'heure actuelle, il est à 13,99 € les 24 boîtes. Sachant que je ne l'ai pas payé 13,99 €. Je l'ai payé 9,99 €. Donc, moi, ce que je vous conseille. Souvent, Amazon, ça marche comme ça. Bon, là, vu qu'il va y avoir les Black Friday, je pense peut-être qu'ils ont augmenté un peu les prix. Moi, souvent, je le mets dans le panier et je n'achète pas. Et comme par hasard, quelques jours après, le prix a baissé un peu. Donc, je vous conseille, si vous le voulez, bien évidemment, autrement, je ne vois pas trop l'intérêt d'écouter mon conseil, de le mettre dans votre
panier et d'attendre quelques jours. Au pire, le vendredi 27, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr que c'est un vendredi 27. Je me demande si c'est pas vendredi 24. Bon, le dernier vendredi du mois. Donc, le Black Friday, ça sera beaucoup moins cher. Après, au pire, c'est le 24. Il vous reste une semaine. Franchement, pour le décorer, ça va vite. Même si on prend du papier design, c'est les mêmes tailles. On fait plusieurs morceaux. On en fait 24 de cette taille-là. On a fait beaucoup plus comme ça. Et c'est vite, quoi. Enfin, c'est vite fait, quoi. Voilà. Donc, c'est une petite astuce pour le calendrier de l'Avent. Franchement, moi, je trouve ça pas cher. Même au pire, 13,99 €, je trouve pas ça super cher. Sachant que ça n'abîme pas la lame du massicot de couper autant de papier, parce que ça abîme, hein, on n'y pense pas. Il faut beaucoup de colle ou beaucoup de double face. Bon, c'est mieux double face, parce que la colle, ça va gondoler un peu si votre papier n'est pas assez épais. Il faut beaucoup de papier, il faut pas du 190 grammes. Là, 190 grammes, la boîte, elle pète. Là, c'est facile, du 250, hein. Et c'est le mieux, hein. Au moins, vous êtes sûr que la boîte, elle tient très bien. Enfin, voilà, ma petite astuce du jour. Ben, moi, je vais vous laisser. Je vais voir si la machine est finie. Je crois que c'est la fin. Je vais aller étendre le linge. Je vais aller manger, me préparer. Et après, j'irai travailler, nettoyer, astiquer, toujours pimpon. J'ai pas du tout envie. Je sais pas vous, mais j'ai plus envie de travailler. Et je me dis, oh là là, j'ai 38 ans. Ça va être quoi dans quelques années? Non, mais là, c'est normal, c'est la saison. Il fait pas beau, je pars le matin, il fait pas beau. Enfin, il fait nuit, je rentre le soir, il fait nuit. Voilà, ça, c'est la saison. Mais là, moi, je pense qu'avec les festivités de Noël qui arrivent et tout, ça va faire du bien au moral, même si moralement, je vais très bien, mais je me comprends. Les décos de Noël et tout, moi, je trouve ça égayé, ça fait du bien. Allez, je vous laisse. Passez une très bonne journée. Je vous fais des bisous, à bisous. Bip!